on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que normalement vous appréciez tous. Je vais poser des questions aux filles qui sont ici. Elles ne savent pas encore, c'est moi qui ai choisi les questions. Donc c'est le... C'est quoi le thème du jeu? Le qui de nous deux entre sœurs. Le qui de nous deux entre sœurs, entre Lilo et Dio. Genre on pose une question, je sais pas. Qui est la plus chiante? Qui est la plus chiante? Vas-y par exemple. On choisit, vas-y. 1, 2, 3... Donc, après, vous regardez, vous n'êtes pas d'accord. Oh my God. Bon, vous avez compris le principe, moi je passe derrière la caméra et je pose des questions tout de suite. C'est parti pour la première question. Qui est la plus jalouse? Facile. Okay. 1, 2, 3. Oh, bien. Elle est honnête, elle est vraiment honnête. Ouais, bravo. Oui, je sais. La deuxième question. Qui ment le plus? Il n'y a même pas besoin de réfléchir, ça y est, vous savez déjà. Oh, Thomas. Qui ment le plus? Allez, je fais le dernier moment. 1, 2, 3. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi c'est elle qui ment le plus? Non. Ah non, tout le temps tu mens. Elle fait genre d'être malade pour pas aller à l'école. Bref. Moi, encore, pour louper l'école, c'est pas grave. Mais elle t'a foutu la peur de sa vie. Hein. Comment? Elle a dit qu'elle allait voir sa copine, elle allait voir son copain. Oui, c'est vrai. Son copain. C'est vrai. C'est vrai. Une fois, elle la plus menteuse, c'est Diolinda. Tu as raison. Mais elle, c'est toi. Voilà. Non, c'est Dio. Après, troisième question. Celle qui a eu le plus de copains. Bah, voilà, j'ai deviné. J'ai un mot. Celle qui a le plus de copains. Qui a eu le plus de copains. C'est moi. Moi aussi. 1, 2, 3. On est d'accord? Ouais, vous êtes d'accord. C'est Lilo, tu peux expliquer Lilo? La Charo! Ouais, tu peux expliquer Lilo? En école, j'avais un amoureux après une meilleure amie. La semaine d'avant-dernière, en gros, il y a deux semaines, quoi. La semaine d'après de la rentrée des classes. Donc, tu vois, quand j'étais toute petite. Ouais. Mais t'as eu combien de copains, du coup, depuis que t'es née? Je pense. Une quinzaine. Non, quand même. 8 et t'en as embrassé combien sur la bouche? 1. Wow! Il s'appelle comment? Tom. Ah, tu le dis quand même? D'accord, t'as embrassé Tom sur la bouche? Non, okay. C'est lui. Ah, c'est lui. Il dit qu'il voit ça. Ok. Non, mais c'est bien de savoir. Celle qui a les plus beaux cheveux. Non, voilà. Celle qui a les plus beaux cheveux. Donc là, vous n'êtes pas d'accord. Pardon. Ouais, mais là, elle est mal coiffée aussi. Hein. Oui, Bah, en fait. Mais elle a vu sa tronche le matin. Parce que elle. En plus, son haleine. Pour pas être jalouse, là, je sais pas trop répondre à la question parce qu'ils ont des cheveux différents. Mettez dans les commentaires les cheveux que vous préférez. Entre les cheveux de Lilo. C'est pas les cheveux de Diolinda. Donc, mettez-moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir qui va remporter cette course aux cheveux. Prochaine question. Celle qui ronfle le plus. Alors attention, parce que vous savez pas, puisque vous dormez, mais moi je sais quand vous dormez, c'est qui ronfle le plus. 1, 2, 3. Lilo. Pourquoi Lilo? Parce que c'est elle comme ça. Toi, Dio, elle m'a dit, oh mais je ronfle fort la nuit. Ronfle la nuit, moi je parle la nuit. Oui, c'est vrai. Non, t'as dit quoi? Je sais pas, je parle. Une fois à dormir, elle m'a dit, passe-moi le marteau. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Elle dit toujours des trucs bizarres du Linda quand elle rêve, quand elle dort. Ouais. Donc celle qui ronfle, c'est Lilo. Ça, c'est la vérité. Après, prochaine question. Celle qui ronfle... Ah non. La plus capricieuse. Oh bah alors là, non, attends, mais il faut que maman... Elle ouais, dit la plus capricieuse. À toi aussi, tu dis que c'est toi, maman. Oui, Lilo est capricieuse. Avant, elle était moins capricieuse, mais c'est vrai que là, cette année, tu bats des records immenses hein, quand même. Hein. Mais il faut savoir que je ne cède pas. Oh, ça va, Dio, je cède pas beaucoup. Mais elle sait. Je cède des fois, ok, ça marche. D'accord, je cède des fois. Prochaine question. Celle qui se maquille le plus. Bon, là, je sais. Attention. Celle qui se maquille le plus, c'est pas celle qui se maquille le plus et le mieux. C'est celle qui se maquille le plus. 1, 2, 3. Ouais, c'est Dio. Je suis d'accord avec vous. Mais elle, tous les matins, elle s'enfile un peu de peinture. Je préfère beaucoup me maquiller et que c'est beau comparé à elle quand elle se maquille, c'est une tomate.
Ouais, oh, j'avoue. Mais c'est vrai que Johnny Depp passe beaucoup de temps. Tu coupes ma ref là. C'est moi. Elle passe beaucoup de temps à se maquiller. Mais il faut dire aussi qu'elle fait pas mal de TikTok, de transition et tout, donc ça prend beaucoup de temps. Ça, ouais. C'est. Ouais. Que ouais, toi, aussi, tu te maquilles pour faire que des bêtises. Je sais pas. Oui, oui. Je sais pas où est passé son Beauty Blender et ses pinceaux. Parce qu'elle a le trait du blush, l'highlighter, le bronzer. Oh, comment ça clash. Alors voilà. Des fois, non, mais des fois, dans la voiture, maman, moi je lui dis. Oh mais vraiment, estompe un peu, hein. Ils sont passés où ? Elle est passée où ton Beauty Blender ? Sinon on passe à Action, on prend acheter deux. Oh, wow, comment tu te fais clasher ? Prochaine question avant que ça dérape. La plus dépensière. Non, moi je suis. Oh non. Non mais la plus dépensière pas avec mes sous, hein. La plus dépensière avec vos sous, hein, oui, parce que dépensière avec mes sous, c'est elle à 2000%. Ah voilà, voilà. Maman, du coup, la plus dépensière avec tes sous. Vas-y, Lilo. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Quoi ? Je suis pas d'accord. Lilo, elle est dépensière quand c'est pas elle qui paye. Hein. Mais une fois qu'elle a des sous et tout, qu'elle a son argent de poche sur sa petite carte, ouais, c'est vrai, elle passe à la caisse et à chaque fois, elle fait un peu la tête pour que c'est moi qui paye. Hein. Ah, fait là, ça marche pas. Elle est un peu radine, elle est pas dépensière, elle. Hein. Que toi, tu vas avoir plus le cœur sur la main, quand même, tu vois ? Et moi, j'ai une technique. En fait, moi, je porte les articles que je suis censée payer, tu vois. Enfin, c'est elle qui me l'a dit, la technique. Et tu vois, moi, je fais comme ça. Ça fait chier hein, quand même, ça fait 15 euros. Maman, elle me dit, oh bah vas-y, mets mon caisse 10, c'est moi qui vais payer. C'est vrai, en plus. Mais ça, la prochaine fois, non. Moi, ah, je suis en train de dire à tout le moment. Là, tu as dit, ta technique, c'est fini. C'est fini, je te promets, c'est fini. La prochaine fois, tu payes. Allez, tu vas payer. Bah, j'oublie ma. Mais j'entends, je suis là. Allez, prochaine question. C'est qui la plus gentille ? Ah bah. La vraiment la plus gentille. 1, 2, 3. Violetta, pourquoi tu penses que c'est toi ? C'est moi la plus gentille. Pourquoi ? Parce qu'elle est tout le temps aigrie, tout le temps à crier, à danse, à fait tout. Elle est surexcitée tout le temps, t'as vu ? Ouais. Alors, de 1, elle est hautaine, elle prend les jours de haut. Elle est tout le temps avec un chat 4. Sa tête le matin, j'ai le rapport. Waouh. 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 Oh my god. Bref, wow. C'est moi je peux dire. Moi je peux dire c'est qui la plus gentille pour moi. Moi je dis merci, au revoir. Poli, tu es poli. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Oui, toi tu es la plus polie, mais Diolinda c'est la plus gentille. Ouais, en fait c'est duo. Même avec toi, elle va être super gentille alors que tu fais des coups, mais un truc de dingue. Mais elle est super gentille. Genre, s'il y a un bout de poulet, par exemple. Je sais pas pour quel exemple. Poulet, mais l'exemple, voilà. S'il y a un bout de poulet. Oui, mais et qu'elle a un plus gros bout que toi. Imagine, elle a un plus gros bout que toi. Toi, tu vas pigner. Tu vas pleurer. Elle va te donner sa part. Que toi, tu lui donneras pas sa part. Elle sait que non. Tu vois. Donc, c'est qui la plus gentille? Mais c'est sa part. Donc, c'est bien Diolinda la plus gentille. On est d'accord? Ouais. Voilà, ça marche. Et regarde, prochaine question. Et là, il faut être très honnête. Hein. Soyez très, très honnête. Ok. Qui de vous deux, baisse ton truc, on voit ta bouche, toi. Qui de vous deux pue le plus de la gueule? Alors là, il n'y a pas de. Alors, depuis le début, j'en parle. Depuis le début, j'en parle, elle m'a dit comment te clash elle. Lilo, des fois, ça sent le poisson pourri. Des fois, elle se bat avec Kiki. Il arrête de voter parce qu'il a fait. Il arrête de voter tellement que ça pue. Il va partir. Oh, regarde, là, elle pue. Non, bon, on va tirer chacun. Hein. J'irai un peu des deux. Hein. Pardon. Dio, c'est maman, c'est maman. Donc, c'est mes côtés maman. Voilà. En fait, Dio, elle pue de la bouche le matin. Parce que l'après-midi, ça va. Ça passe. Le matin. Tu dors jamais avec moi, je te dis. Ah, j'ai l'impression que j'ai un. Oh, je me suis. Ah, non, elle dort jamais. J'ai l'impression que j'avais un poisson pourri là, dans le nez. Et tu dors jamais en face de moi. Prochaine question. Quand tu l'aides. Alors. C'est qui la plus grosse bouffe ? Elle qui mange le plus ? Ouais. Ah oh bah là, je sais. On va être toutes les deux d'accord. D'accord ? 1, 2, 3. Lilo ! C'est Lilo. Lilo, elle a un problème avec la bouffe. Ce matin, elle a mangé du granola avec du saucisson. Oui, ce matin, elle a mangé quand même au réveil. Hein. Elle a mangé des granolas avec du saucisson, quoi. Et elle mélange les deux dans la bouche. Ouais, c'est toi qui pue le plus de la gueule. Voilà, voilà. Et quand il faut lui faire un bisou, à part à l'école et qu'elle pue le sauciflard. Franchement, ouais. Non, c'est toi. C'est toi. T'as quelque chose pour ta défense ?
Tu peux dire quelque chose pour ta défense? Pas de défense. Pas de défense. Allez. Non, non, mais vous oubliez un truc. Vas-y. Ça, mais le doigt. Granola. Saucisson. Et le chocolat, le lolo. Le lolo. Comme ah, oui, en même temps. Ah oui, oui, après, mais avec le chocolat et tout. Oh là là. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Si vous pensez que c'est trop, franchement, c'est explosez trop la barre des pouces bleus. Mettez des pouces bleus et plus il y aura des c'est pouces trop bleus, plus je saurai que c'est trop. Prochaine question, vous êtes prêtes? Attention, là il va y avoir débat. La plus grosse feignante. Oh bah là, je... non. C'est quelle, il n'y a pas de débat en fait. La plus grosse. Non, après tu débat. Tu dis à toi. Lilo. Mais oui, c'est vrai, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Oh, oui, il n'y a pas de débat. Oh, c'est vrai, c'est toi Lilo, pour l'instant, depuis le début, t'as beaucoup de défauts quand même. Et pendant les vacances, tu disais à Leclerc, tu disais. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est morte! Non, parce, que, en fait... non, parce que Dionida a deux tensions. Oui, Dionida, c'est quelqu'un qui a deux tensions. Elle prend la vie du bon côté. Mais ça, c'est pas feignant. Voilà, mais... Et elle va se lever le matin, elle va m'aider à faire du ménage, on elle va manger son linge. Malade dans et Dionida, sait faire une machine à laver, elle fait la vaisselle, elle lave par terre. Toi, tu fais quoi à part pleurer pour faire ta chambre? Tu fais hier, quoi? Hier, j'ai fait ma chambre, j'ai fait le salon, j'ai passé la serpillière dans le salon. Oui, c'est vrai. Oui, mais quand elle fait une fois, par bravo. Contre, pour deux semaines. Bravo. C'est trop. Bravo à toi. C'est vrai que quand Lilo le fait, par contre, on va l'entendre pendant trois semaines qu'elle l'a fait. Et il reste combien de questions? Tu crois que t'as fait là? J'arrête pas avec mon classe. T'arrêtes pas avec mon classe. Attention, qui est la plus drôle? Et moi, c'est... Qui est la plus drôle? 1, 2, 3. Ah, toi aussi, t'acceptes que ça soit la plus drôle? Et moi, un exemple, vas-y, un exemple de plus drôle. Elle est pas souvent drôle, mais quand elle est drôle, elle est vraiment. Sinon, elle est à flop, tu vois. Ouais, c'est vrai que. Vas-y, bah, raconte-nous une blague. Vas-y, raconte-nous une blague. Vas-y, tout de suite, là. Si t'es drôle, vas-y, raconte une blague. Souvent, c'est des blagues de beauf. Vas-y, raconte-nous une blague. Non, mais en fait, moi, j'ai pas de blague. Ouais, là, c'est flop. Comme... non, mais en fait, ça vient instantané. Genre, tu vois, si j'en fais exprès, je ne suis pas drôle. Mais quand j'en fais pas extrait. Quoi? Extrait, je suis Patrick. Allez, Sébastien. Oh, les patoches. Oh non, tu vois, vous avez vu, je vous ai dit, c'est la pauvre. Racontez-moi. Bah voilà, je suis la plus drôle. Ouais, oui, t'es la plus drôle. Ouais, mais on aurait bien voulu une petite blague beauf. Ouais. Franchement, une petite blague beauf. Voilà. Donc, allez, vas-y. Bah, c'est elle qui fait le plus dans la chauve. Non. Bon, t'as c'est... rigolé? Non, j'ai pas rigolé, je rigole pas à ça. C'est tellement nul. Celle qui a le plus de punitions. Non, bon. Il n'y a pas de débat. Hein. Celle qui a le plus de punitions. Lila. Allez, cite-moi un genre de punition que t'as déjà eu. Pas de téléphone. Punie de saucisson. Ah, punie de saucisson. La pire de punition, ok. Pas de téléphone. Ouais, mais elle a même pas eu de punition. Pourquoi? On en parle de la plumenteuse là, la question à la plumenteuse là. Elle va parler de ça pendant combien de temps? Elle a même pas eu de punition. Elle a même pas eu de punition. Et c'est si, elle a pris son téléphone pendant toute la soirée. Oui, j'ai pris son téléphone. Ouais. Et voilà, donc ça a été puni toute la journée. Pendant toute la soirée, elle a quand même disparu pendant. Non, mais même, c'est 3 trop. Heures. C'est elle la plus. C'est fini les questions. Je pense que Lilo. Elle est au summum de la connerie, de la bêtise, de la fainéantise. Je crois que c'est elle qui a gagné, mais franchement, haut la main. Sur ce, là, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé, explosez la barre des pouces bleus. Pouces bleus. Abonnez-vous et activez la petite cloche si vous ne voulez pas rater nos vidéos. On vous fait plein de gros bisous.